Bien-aimés dans le Seigneur qui me suivez sur les avertis, shalom, que le Seigneur soit avec nous, soit avec vous. Comme d'habitude, chaque semaine, nous venons vers vous avec une vidéo pour vous aider à exhorter, pour vous aider à avancer dans le Seigneur et surtout pour vous donner la parole de Dieu afin que vous changiez la façon de marcher, afin que vous compreniez les choses de Dieu. Il est important de comprendre que Makambo tosa là, ils allaient pour n'accueillir aux Olanda Bisso, ceux qui osa en bas libosso, Bisso tosa là avec mission de Mozumona, Tali avec mission sous Pesana Kati depuis Tobandaki, pour ceux qui va question Zali comme la Lobara toujours Robo Manketa retourne à Bisso, donc nous allons là pour n'accompagner Sabino bah réponse. Donc nous allons parler aujourd'hui de ce thème le péché. Nous voulons le titre en question Zali. Nde moni na kati ya écran na lobby le péché impardonnable. Nde zali message oyo tolinto pesa bino mukolo ya lelo. Avant que to banda, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour le temps que tu veux encore passer avec nous. Sois avec nous et dirige-nous par ton esprit afin que toutes choses que nous allons prononcer puissent te donner gloire. Seigneur, nous laissons la place de ces temps que nous allons passer avec mes frères, avec mes soeurs, entre tes sentiments, conduis-nous par ton esprit, au nom de Yeshua, Amen. Voilà, donc, le péché impardonnable. Des fois, puisque l'issoumou yango moko ezaja na identité babenga l'issoumou le guillon de la mort, c'est à dire balobi na passage na bible balobi le salaire du péché c'est la mort, c'est à dire chaque fois tant gros ça mabé yeba ki za ba conséquences na yango, mais mabé nyonso o mutako sala ezali pardonnable, mais l'issoumou moko ezali pardonnable te yango mutu total le lot. Parce que nous avons un peu de lingo, nous avons un lingi biso, nous avons un koufela ki biso, mais nous avons un principe. Ce qui est un principe, c'est que nous sommes capables, n'est-ce pas, de faire un plan. Puisque ce qui est un principe, c'est que nous sommes capables de faire un plan. Donc le péché impardonnable est un peu de awa. Tout en dans Matthieu chapitre 12, verset 31-32. C'est pourquoi je vous dis, voilà Yeshua Zoloba. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pendant que pèse un peu ma casse dans le passage Oyo, donc on voit les sous versets clés Oyo et Zali, puisque les loba Oyo Yeshua lobi et Zaki déjà na tango il y a ancienne alliance tout autant en gros na Lévitique rapidement tant on a Lévitique rapidement tout ça na Lévitique. Lévitique chapitre 24, verset 26, Balobi Boy. Celui qui blasphème le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Mais la question est bonne, comment est-ce qu'une personne peut blasphémer le nom de Dieu? Puisque Yeshua a dit que, à ton lobby contre yé, à quoi pardonner yo. Mais, la lobby boy, la bandele, Yeshua a dit, quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parle, donc parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. C'est-à-dire, et pourtant, ce qui au total, il m'a dit que, Lévitique et lobby, Oyo akolobamabe na kombo, n'est-ce pas? Akolobamabe na kombo ya Nzambe. Na bandé Lévitique chapitre 24, verset 16, celui qui blasphème le nom de l'Éternel sera puni. Donc,
Tout le monde a dit que Zali, il faut bien comprendre malamou ce qui se passe ici. Yeshua a Zali Nzambe. Yeshua en tant que homme a qui na mokili pona okufa pona masumu na biso. Et a zaki sacrifice otobeg na lingala mbeka. Andima ko ke na croix pour makila na zaki pur de façon que masumu na biso o Ezaki depuis Adam et Eve titan ya botamaki ezala pardonné. Alors Yeshua andima ki kozwa bisika na biso na croix. Mais awa siko tolo balikambweza plus spirituel. Oyo zo kangai comprendre bien. Soki mutu po azumi benga mwana Nzambe. Azali ko sala makambu o Nzambe asengite. Ali ko sala makambu selon principe Nzambe te. Et tout pese exemple na kati ya assemblée par exemple. Ozumi bengi pasteur, exemple, ou bengi pasteur. Mais na kati ya motema oyebi ke o sala makambu o ezali contre la volonté de Dieu. Pour n'avoir profit mot quelconque. Au sala makambu contre, au sala makambu contre ma principe ya Nzambe, puisque l'ingi ozwa gain moko boye, ozwa mbongo moko boye. Et puis au kubana ce que ozwa parole même Nzambe, oza ko torturer ango, oza ko torpiller ango selon, n'est-ce pas, ndenge yo l'ingi pour gagner, c'est-à-dire ozo linga ozo ba verset biblique par exemple oyo, et ça dit ko peso avantage. Ou bien yo zali mwana Nzambe, au sambela Nzambe. Mais chaque fois, si vous avez un Yamabe, ou bien vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, ou bien, ceux qui, par exemple, vous avez un peu de temps, 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 c'est important de comprendre. Tant que vous avez un blasphème, il y a Saint-Esprit, et ça, que Saint-Esprit, en fait, il y a une source, il y a un peu de temps, puisque Saint-Esprit, Ndezali Nzambe en fait, puisque Nzambe azali esprit. Nzambe azali esprit. Si vous blasphémez contre Nzambe, d'une manière ou d'une autre, okozala puni, okozala pardonné. Il est important de comprendre que tant que vous vivez dans mokila, tant que batu, surtout ceux qui m'a Nzambe oyebito oyebite bien sûr, mais ce que ça muto tangi ata moké, bato bazaka ba ate, bandi maka distance ya Nzambe te, tant que ba blasphémé te ceux qui n'ont pas sali bango grâce ba ko ya vers Nzambe lisusu ba sala n'est pas ba ko mabana na Nzambe. Mais ceux qui par exemple pendant que bali ba até bali ko ba di ko blasphémé comme Nzambe, c'est-à-dire bali ko ndima puissance Nzambe te bali ko nier même le tout monde baza ko nier même existence ya création baza ko ba que la création a été conçue par une certaine bien c'est certain système moto bengi. Donc Big Bang tout ça bali ko zwa makama Nzambe na denga fiction en fait ba lingate ko zwa Nzambe ko tia Nzambe na place na ye mokeli tu vois mingi baloba kutu soki par exemple ole aloba Nzambe alobi donc mère nature, c'est-à-dire benga nature Nzambe. Pourquoi? Puisque na kati na ye azo mona ndeti ke soka pesi Nzambe na za pesi Nzambe place on dirait que ye akiti et pourtant Nzambe mokeli daza likolo bakambunyonso, c'est-à-dire soki par exemple mutu exemple ozo landangai autant que par exemple Bible quelque part au moni ba kobi yoko moko boyo peut-être touché intelligence na auto ki bomoto na yo bala moyo lobi te za lokuta na ndimbite ke za bongo komi ko luka ba raison moko boyo pona o mi pesa raison afin que ozo n'est-ce pas avantage na kati ya ego et donc égoïsme na moko. Mais pourtant comme on dit ici, le blasphème du Saint-Esprit c'est lorsque on nie, n'est-ce pas, tandis qu'on nie existence de force il y a Saint-Esprit, tandis qu'on nie que Saint-Esprit a pardonné donc a guéri sa malade, tandis qu'on nie que Saint-Esprit a capable de faire un miracle, donc au fait tandis qu'on nie que Nzambe a pu exister, tandis qu'on nie que Nzambe, tandis qu'on refuse, je veux dire il y a qu'on dit que Nzambe a capable de faire un miracle sur la carte de mon abisso. Donc ils ont le message au nenga qui n'a pas le lot de façon qu'il faut comprendre, puisque il est important de noter que si une personne est préoccupée par le fait d'avoir commis un péché impardonnable, cela indique qu'il faut aluka, normalement probablement aluka,
identifier le péché. Peut-être que tu as avorté, tu as volé, tu as même tué. Il y a des gens qui ont dans le passé, Nzambe a condamné ceux qui ont sengi pardon. Ce que tu as dit, c'est que vraiment, tout ce que j'ai fait, na tangu na zaki na ignorant na zaki païen na zaki makambabe na bon aboma ki batou puisque quoi avorter c'est aussi une forme de tuer même si tu avais fait ça tant que tu prends une décision ferme et que tu dises avec assurance avec foi qu'à partir de l'eau na ko pêcher les sous-souté à partir de l'eau na pêcher bon na maboko nzambe a ko pardonner yo. Mais que ça la erreur était que le bakeno de toute façon na osala vivie zangai moko nous autres ngai moko to mona batu susu azaki normal ami comme ici le col monstre akati balole moi akati matoi akati donc asali ba forme pona commander ti monstre pona ko boya n'est-ce pas existence on zamba pesa ke pana e bo mona ba image na otila binwa na sadi ba image moko affreuse pourquoi puisque batu ba lingi ba za ba rebelle vis-à-vis na nzambe donc du fait que ça la rebelle vis-à-vis na nzambe c'est aussi une forme n'est-ce pas, il y a qu'on blasphémer surtout avec nos paroles, puisque les choses que nous disons, les mots que nous prononçons, comment dire, même nos pensées. Mon amoutou a commis presque un assouk à vinae. Aujourd'hui, ça est vraiment que Nzambe alingi yo alingi abiki sayo alingi moli mono et à la sauver. Mon amoutou na boy alibiki n'engan andimi Nzambe anate. Pourquoi? Puisque déjà toute sa vie, il n'a jamais donné la place au Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit il agit lorsqu'une personne, n'est-ce pas, laisse aussi la place. Puisque la différence entre Yeshua et diable, c'est que Yeshua a tiré la biseau place pour a tiré la biseau je vais dire temps pour biseau monter sa décision afin de n'aller à l'obat toujours que ma cambo est au sala et ça na soubassement au bengi il y a donc il y a libre arbitre aux hommes mais le diable a un cas sur un place à vide à côté de Balamoko pour en savoir quelque chose d'abord mon œil et surtout Yamabe et de fois le diable quand il vient dans une vie dans la vie d'une personne j'allais dire à Kolukanini à l'action couleur et à bien la début mais donc à la souka pour les alli couleur ya donc ya ma ben à kati na a kolinga se déguiser pour mon a été pour y battre les alliés soit une forme na normale peut-être au commun à qui les alliés même na kati la bas songe na bandoto na yo le diable peut c'est donc c'est comment dire c'est donc il peut se déguiser pour attirer n'est-ce pas attention à même nakati en d'autres na mais alors il faut faire attention puisque lorsque tu es avec Dieu même nakati ya pongi na c'est le fait c'est Dieu en fait qui sera ton maître et ton créateur voilà donc ça dit péché à blasphème il y a Saint-Esprit et ça dit clair que et ça dit plus qu'on niait ou bien que boya kondima n'est-ce pas la force de la puissance du Saint-Esprit la kati bomo ya batu na kati bomo na biso et koboya même kondima que il y a un Dieu qui dirige qui existe et qui en fait contrôle toutes choses et tout système qui to ali komona c'est en fait ya koboya même que ce qui te commune en souka la seule solution qui est ali Nzambe ya ngomoni même na tanga kala les gens au bazana kati donc na Babylone je vais dire Babylone tango balinga qui basala tour n'est-ce pas tour de Babel qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont voulu voir Dieu n'a mis son nom physique mais pourtant ils ont qui il est comme impossible puisque Nzambe a l'esprit mais Nzambe ils avaient confondu c'est-à-dire à confondre la langue na bango pour basala dispersé de façon que bazo baide ya liboma bongote donc c'est comme ça que nazo bisope lelo yo ndevoka ndangai peut-être en bonne santé lelo où tu as tout tu as l'argent tu as une voiture tu as une femme tu as un travail mais toi tu penses que ce que tu as c'est ce qui fait ta force mais pourtant tout ce que tu as tu peux le perdre dans une minute puisque le ceux qui par exemple banque nayo Eziki exemple banque no ko ça recouvre na assurance na ba ou bien assureur na ye ceux qui assureur wana pe place ya bomba kambongo na pe Eziki et ou bien ba donner et donc limwe et ça la difficile pour assureur wana azong ki sambongo na banque nayo d'office yo moi vous appelle bon vous avez ça dit du fait que vous allez bon na kati ya banque et ou bien vous allez bon na kati ya ndaku et ce n'est pas garanti et que garantir yo te que vous allez ma casque bien au lieu donc on a position de donc de force donc je vous conseillerais de ne pas faire
comment dire, qu'on blague dans ma cambo, dans Zoloba, par rapport au blasphème, donc du Saint-Esprit. Il est très important de comprendre que Nzambe, a voulu qu'on pardonne ma soumission sur la bande, pour nous comprendre, malamo, ce que tu as fait jusque-là, Nzambe a la possibilité, toi, à l'ingi qu'on pardonne, ou le lot, ceux qui ont saigné pardon, ou bien ceux qui ont se repentir. Mais, pour ça, la erreur était que au blasphème Saint-Esprit. Pour nous, comme on peut ça résumer, qu'au blasphème Saint-Esprit, l'ingi qu'on que, ou à l'ingi qu'on niait force à Nzambe, ou à l'ingi qu'on niait miracle à Nzambe Salaka, ou à l'ingi qu'on tue, là, je vais dire même ce que Dieu fait. Soit Nzambe Salaka, il y a le Kouta. Et puis, quand je vous dis cela, je fais aussi allusion à ces faux pasteurs qui pensent que tant que ça va faux miracle dans le Nzambe, ils apprennent bien la bango bazombongo, mais pourtant, c'est aussi une forme de blasphémer. Pourquoi? Puisque dans le monde, il y a ténèbres, mais il y a des gens qui ont été théâtre dans le Nzambe. Mais pourtant, ceux qui pensent le Moutou, même à faux, ceux qui Nzambe, Azali, il y a un miracle dans le Nzambe, il peut passer même par ces faux-là. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 7, 21, à l'objet que ceux-là qui me diront c'est, donc à la fin, nous avons fait ceci et cela à ton nom, je leur dirai que je ne vous ai jamais connu, puisque Batouana, Baza coexister les lots, c'est-à-dire ils prêchent peut-être la parole de Dieu, ils font peut-être les miracles au nom de Dieu, c'est-à-dire Yeshua, Azo Tika, miracle, l'année Salema, pour qu'on ait donc Ekoumissam. Mais bisous toi, les bandes même dans le système, toi et bi avec le discernement du Saint-Esprit, il faut détecter quel est le vrai mais quel est le faux miracle. Mais toi, à droite et à ta bisous toi, les bandes système, il faut bander qu'au scripté, n'est-ce pas, chaque miracle est salement, donc de peur que tous à la tête tombent dans la piège, il y a qu'on blasphémer le Saint-Esprit. Moi, je crois à la force de la guérison, moi, je crois à la force même de la résurrection, puisque le Seigneur est capable. La Bible dit que rien n'est impossible, n'est-ce pas, à lui, donc à Dieu. C'est-à-dire, nous sommes tous les impossibles, pas les impossibles. Alors, même, nous sommes tous les impossibles. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Ce qui dit Bissot, tout ça, la possibilité que nous soignons par rapport à la foi dans Bissot. Et pourtant, la foi vient de Dieu. Et bon, c'est comme qu'il y a foi. C'est-à-dire, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut dire, il a toujours un résultat positif, puisque il y a des mots qu'il y a. Vraiment, que Dieu bénisse sa parole. Il y a qui, l'exhortation à Moukoussé, il y a des rapidement pour Nabino. S'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Shalom.